Mauvaise idée. Alors, nous allons retrouver Pierre Guillermeau qui va nous parler de la mode pour chiens. Mais oui, il y a une mode pour les chiens. Les petits nœuds pour les oreilles, avec une petite abeille. Si vous le dressez à faire ses besoins dans le caniveau, la nuit, vous pouvez le promener avec un manteau fluorescent. Autrement, vous avez pour la pluie, pour qu'elle ne soit pas décoiffée et trop trempée, vous avez le petit manteau avec une capuche. Vous avez aussi pour la pluie... des petits manteaux écossais en bleu. Alors, le manteau en panthère. Vous avez aussi les manteaux coordonnés, comme les grands couturiers actuellement. Qu'est-ce que vous auriez pour la nuit? Pour la nuit, j'ai le pyjama en tissu éponge qui est fait aux mesures du chien. Mademoiselle, vous vendez beaucoup de ces articles pour chiens? Oui, beaucoup. Qu'est-ce qui se vend le mieux? Ce sont les manteaux. Les manteaux avec des petits diamants, des petits carrés. Ah ben on peut voir, vous en avez? Oui, bien sûr. Alors j'ai celui-ci qui est matelassé avec C'est le manteau de soirée, ça? C'est le manteau de soirée. Et qu'est-ce qu'on porte avec? Il y a des bijoux aussi? Vous avez le collier bijoux, le collier plaqué or que vous pouvez mettre avec. C'est pour une première à l'opéra, ça? Si vous voulez. Ça, c'est très amusant. Une petite bouée de sauvetage pour le bateau. Et ça, qu'est-ce que c'est alors? C'est pour les chiens de Tahiti ou... Ça, ou c'est pour aller dans un club de vacances? Non, c'est pour un bulldog. C'est pour un collier spécial bulldog avec des poils de marte. Nous proposons aussi le toilettage qui est un service d'entretien des chiens. À la fin de chaque toilette, on peut mettre un parfum. Parfum un peu nana ou très, très viril pour le chien mâle. Mais quels sont les cadeaux les plus excentriques qu'on vous demande?